Salut, je me trouve actuellement en Irlande. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, regardez. Say hello to your man in the back here in the camera. Say hello to France. Hello, France! Look at this fella. That's crazy. We've got Ireland and France out of the World Cup next year. Yeah. In the stand. Oh, yeah. We're going to smash it. No, you have no chance. Yeah, throw him out of the car. We have Mbappe. They're preview to the match. Just traveling around, yeah? Yeah, I'm hitchhiking actually. Oh, well, yeah, you saw me. Yeah, happy days. We were saying that our mother today. Donc là, je suis à Doolin, c'est à l'ouest de l'Irlande. Je me suis arrêté dans un camping, j'ai demandé s'ils avaient une tente à me prêter et si je pouvais dormir chez eux. Ils m'ont dit ok. Ils m'ont filé une tente, une couverture, un matelas gonflable. Ils me font payer juste la nuit là. Donc ils sont hyper sympas les mecs. Donc j'ai un endroit où dormir ce soir. Je suis très content d'être là. J'ai rencontré des Américains qui m'ont pris en stop, qui m'ont amené jusqu'ici. Franchement, le stop en Irlande, assez simple. Comparé à d'autres pays que j'ai pu faire, et on m'a proposé plusieurs fois de dormir chez les gens sans le demander. Leur mentalité est plutôt cool. Voilà, un point positif de l'Irlande, c'est que les gens sont super sympas, en tout cas avec moi. Allez, bisous. Donc il y a trois raisons pour lesquelles je suis venu en Irlande. La première, c'est que c'était la destination la moins chère. Bon, on va pas se mentir. La deuxième, c'est parce que je voulais voir les falaises de Moher qui sont à 3 heures de marche d'ici. Donc demain, c'est ce que je vais faire. Ça va être magnifique. La troisième raison, c'est que je voulais faire de l'autostop en Irlande aussi pour tester et rencontrer des vrais Irlandais. Donc j'en ai fait aujourd'hui. Je vais en faire demain. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est hyper simple. Les gens sont hyper sympas. C'est parti, let's go! Bon, je suis en train de me faire... Ils sont en train d'essayer de me grailler, là. Vraiment. Tu arrêtes. Tu laisses mon sac. Tu laisses mon sac. Ah, j'ai dit quoi? Non. Vous arrêtez de me suivre. Non. Stop. Tu arrêtes. Mais laisse-moi tranquille, frérot. Give me my parapluie back, please. Yes. Please. Merci. Please. Allez, tu donnes. Et il a l'air d'aimer les parapluies, donc. Après une petite baignade à la mer, j'avance vers Milltown Malbay. Dans cette ville, il y a plusieurs centres équestres. Et donc, je vais tenter ma chance. Je vais aller toquer chez eux pour leur demander s'ils accepteraient qu'un inconnu vienne chez eux, dormir chez eux et travailler pour eux. Donc voilà, je vais tenter. Bon, voilà où j'ai atterri. J'ai dormi là hier soir. Donc c'est une grande tente. Avec un matelas et un oreiller et une couverture. Et c'était très confortable. Je me trouve actuellement dans une sorte d'éco-ferme où en gros tu as des toilettes sèches, une douche froide, des dindons, des lapins, des poules, enfin des animaux quoi.
et un peu d'agriculture et des gens très sympas. Donc je vais rester là 24 heures de plus, je pense, pour un peu me calmer, à pas avoir le stress de la route, de machin, de bidule. Il y a la mer qui est à 1 km, il y a les pubs qui sont juste là. Enfin, c'est nickel comme endroit, donc sympathique, sympathique. Et puis il y a des chevaux aussi de l'autre côté, donc il y a tout ce qu'il faut pour que je sois heureux. Donc voilà. Je pensais que j'étais fort mentalement. Là, il n'y a pas de soleil, il doit faire 12 degrés. Je suis en train de me geler. Et il y a des mecs, ils sont là, ils se baignent, quoi. Ils en ont rien à foutre. Il y a du monde là, c'est mon moment. Please, please, please. Bon, un échec de plus. Là, je marche pour rentrer à la ferme. Ça fait souvent sourire les gens quand on fait du stop, tu vois, parce que t'es là, tu fais un peu le guignol à côté de la route. Mais les mecs, moi ça me fait pas rire. Parce qu'en fait, vous souriez, vous passez, vous faites coucou. Mais moi je suis toujours là dans la hesse. Donc prenez-moi au lieu de rigoler. On va rigoler à l'intérieur de la voiture, tu vois. Mais me laissez pas sur le côté de la route. Enfin bref, bon, il y a beaucoup de choses à leur expliquer à ces gens-là. Je suis affalé dans un espèce de champ, tu vois. Je me retourne et un gang de vaches est venu me voir, quoi. Vraiment, je suis leur attraction de la journée. Voilà, bon. La preuve en image. Oui, vous voulez quoi? C'est pourquoi? Bon, bref. Voilà, je n'ai rien à faire de mes journées. Je chill. I'm chilling. Hello. Salut Oli. Yeah. So I met Alan and Tess yesterday in the Eco Camp. Bonjour, bonjour. In the Eco Camping Glamping. And they're taking me to Quilty. And yeah. I'm with Holly in the back. Hello, hello, yes, yes, yes. Donc là je suis actuellement sur un ferry, je traverse la Shannon River et j'ai été pris en stop juste avant par un gars qui s'appelle Miles, je vais vous le montrer juste après. So I'm with Miles from Ireland of course. Yeah. He picked me up and got me on the ferry and up to Listowel. Yes, Listowel and Kerry. Yeah. So yeah, on my way to Dingle, everything's fine. Everybody's nice. That's it. Filming some parts of my trip, so. Dingle is a great town. Yeah. Wow. Là, c'est. Cette voiture m'a pris en stop derrière moi, là. C'est un père avec ses deux filles. Et il m'a déposé. Voilà, là, il m'attend là, pour que je prenne quelques vidéos. Et voilà la vue que j'ai. Magnifique. Ça, c'est Dingle. C'est là où je vais cette nuit. Ça va être magnifique. On est à la plage au calme, la mer, l'Irlande. I'm vlogging. Let's go.